Ah, prêt à partir? Je me souviens pourquoi je déteste les bateaux. Ah ouais? Ben moi je déteste encore plus nager à leur embarque. Non, je prends les rames. Tu pagayes aussi bien que moi je danse. Bien sûr. Ça te fera du bien, un peu d'exercice. C'est quoi le rapport entre Erin et Moira? Tu crois aux fantômes? Hein? Les esprits. Tu sais, les morts qui reviennent hanter les vivants pour les punir. Tu penses qu'Erin revient te hanter? Je sais pas, peut-être. Je me souviens d'un rituel. Il y a eu comme une explosion. Erin est morte. Je l'oublierai jamais. Et tout le reste... envolé. Oh, allez, Gareth. Je sais que t'aurais jamais mis cette fille en danger. Ça, elle savait très bien le faire sans ton aide. Réponse qui m'attend là-bas, j'en suis sûr. C'est beaucoup trop calme ici, depuis que ça a tourné à l'émeute. Il y a eu des évadés, des bateaux qui arrivent sans jamais repartir. Gareth ! Je sais pas ce que tu espères trouver là-dedans, mais fais attention. Je voudrais pas que tu deviennes un fantôme. J'ai toujours été un fantôme. Ça fait belle lurette que cette île a une sale réputation. Est-ce que je suis sûr de te trouver là-bas? L'accès est fermé, pour empêcher d'entrer ou de sortir. D'accord. Quelqu'un attend ma visite, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
ne devrait pas être là. C'est l'asile qui est hanté, ou c'est moi? Qu'est-ce que tu veux? Alors commençons par le pavillon des femmes.
a été caché doit être dévoilé, non? S'il s'est emparé de la clé. Il faudra voler au voleur. Thank you.
verrou du baron. Qu'est-ce qui lui tient tant à cœur dans un asile ? Jolie trouvaille.
faudrait peut-être plus d'informations dans des archives médicales. Pour aller servir du vin à Edwina. Elle a assez attendu comme ça. Le vent sera frais ce soir. La mer sera très agitée ce soir.
pu les mettre en garde contre toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Montre-moi. Reste là! C'est trop dangereux! Donne-moi le crochet!
sauf les ombres. C'est les ombres qui les ont pris. Les ombres ont une faim de loup, depuis qu'elle est partie. J'ai besoin d'alimenter ces portes. Il doit bien y avoir un générateur dans les parages.
Ne lui montre pas ta peur. Ne lui montre pas que tu perds le contrôle. Je voulais l'arrêter. Je voulais me sauver. Mais il m'empêche de me réveiller. Faites sortir la primale de cette fille. Mais maintenez-la en vie. Coûte que coûte. Tu comprends la peur, hein, Garrett ? La peur d'être pris au piège. D'être exploité. Vite ! Elle va la corrompre ! Tu vois, oh, je fiche tout en l'air. La primale est dangereuse ! Il faut la contrôler ! Non ! J'aime pas ça. Je vais la redescendre à l'étage de la prison. Je croyais que t'étais morte. Mais c'est pire que ça. Tu as volé la primale cette nuit-là. Et le baron veut la récupérer. Ils ont parlé du niveau des cellules. Bon, il faut que je m'enfonce encore plus loin dans ce cloaque. Sur une fougère d'été.
étranger, là en bas, dans la pénombre. Enfermer Erin dans ce trou. Je dois vérifier toutes les cellules.
aurait vu des prisons dans la cité. Mais ça, jamais.
Je vais prendre ça. C'est ici, Erin. C'est toi qui as fait ça. Les pavots arrivent sur des plateaux d'argent. Et je bascule dans les ténèbres. Je suis toute seule. Chez les prisonniers. Comment respirer quand la mort est partout? Garrett, où es-tu? Je croyais qu'à toi, je pouvais faire confiance. Il se transforme! Qu'est-ce qui se passe? Il mérite d'être puni. Il va t'entendre.
pas. Dépêchez-vous! Éloignez-la du combat! Elle est trop importante pour mourir sur ce rocher! Bien sûr, trop importante pour mourir tout court. Je me demande s'il réalise la douleur. Elle est notre avenir! Pourquoi Joseph Désnier de North Crest m'a tout volé? Tu es dans mon camp, Garrett. La mort va frapper. Peut-être que je perds la tête. Y a qu'un seul moyen de le vérifier. Le Baron. Retour à North Crest Manor, là où tout a commencé.